Avec l'arrivée imminente de la saison 2 de Shadow and Bone sur Netflix, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans le Grishaverse. Mais j'ai quand même la flemme de lire tous les romans, de les relire, ou de continuer même King of Scars que je n'ai jamais lu. Du coup, j'ai trouvé la solution. Demon in the Wood, une adaptation en BD qui reprend la vie du Darkling avant du coup les événements du Grishaverse tels qu'on les connaît. Une bonne solution pour finalement se replonger dans cet univers avant d'enchaîner avec la série Netflix, parce que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que la série est tellement au-dessus des bouquins.